Coucou mes chéris, allô, c'est Barbie Chétif à l'appareil. On se retrouve dans les conditions du différé pour cette 628e review de merde. Avec un jeu qui n'était pas merdique du tout, puisqu'il s'agit de Pirates des Caraïbes, le secret du coffre maudit. Donc je voulais vous laisser un petit peu la musique d'intro parce que je trouvais qu'il y avait une bonne ambiance. En fait, j'ai été étonné, je m'attendais à une musique pompeuse et en fait, le soft propose des musiques pas trop mal. On peut même choisir la luminosité. Et comme j'ai un petit peu réglé aussi la luminosité au niveau après au poste capture, vous ne saurez pas trop à quoi ça va ressembler. Alors moi j'ai jamais vu le film, hein, ni la trilogie. Pour moi c'est un film de merde. Johnny Depp, moi à part 21 Jump Street et Gilbert Grape et quelques films au début. Quand il faisait encore du cinéma pseudo-auteur. Après là, depuis qu'il avait Vanessa Paradis, bon maintenant il ne l'est plus avec elle, mais dès qu'il est allé avec Vanessa Paradis, ça a senti le sapin, il a commencé à faire que des films hollywoodiens à la con. Ce sont même les films de Tim Burton, après maintenant c'est de la merde. Donc on revient au jeu, c'est qu'est-ce que c'est ce jeu? C'est une espèce de jeu de plateforme action, plutôt un beat'em all, un beat'em up, je sais plus trop. Moi j'ai trouvé que le personnage, il répondait, il était vraiment lourdos, c'est pas lourdos mais rigide, même s'il a une dégaine assez bien faite. C'est encore plus rigide qu'un Castlevania sur NES. Parce que autant un Castlevania, même si c'est rigide, donc on comprend un peu pourquoi on fait des erreurs. Là c'est pas logique, j'ai expliqué pourquoi après. Ben, on va le faire maintenant. Donc, pour ceux que ça intéresse, il y aura 15 îles uniques, plus dangereuses les unes que les autres, c'est super intéressant. Pourquoi? Bon alors qu'est-ce qu'on a? On a le coup d'épée. Vous dites un coup d'épée, c'est une espèce de slash quoi. Un effet tournoyant, ce qui fait qu'en principe vous avez une espèce d'attaque en courbe. Donc quand vous sautez, vous attendez à toucher l'adversaire, vous voyez le slash qu'il fait par rapport au trait qui brasse l'air. Vous attendez à toucher à un certain endroit. Le problème c'est que à chaque fois qu'on fait un coup sauté, en fait on touche pas l'adversaire comme on voudrait. Je sais pas où est la hitbox. La hitbox n'a aucun rapport avec ce qu'on attend d'un coup d'épée. Alors, ce qui fait que dans un Castlevania, comme il envoie un fouet, on voit la hauteur du fouet et on sait que si on touche pas, on peut comprendre pourquoi, parce que bon ben un fouet ça a une zone de contact plus étroite qu'à la rigueur qu'une épée, quoi que je dis des bêtises, mais bon. Vu visuellement qu'il l'envoie à l'horizontale, son fouet d'habitude, ou sa chaîne, on comprend pourquoi des fois ça ne touche pas. Ben là non. Là c'est encore pire, donc c'est pour ça que je vais jouer comme un con. Et c'est pas, j'ai pas cherché. Hein. C'est que c'est bizarre, les coups sautés. Voilà, ce qui est bien, c'est qu'on peut éviter tous les ennemis. Soit on me le dit même au tout début du jeu, on me dit vous pouvez soit leur tirer dessus, soit les taper, soit les éviter. Alors, je trouve que graphiquement, c'est très intéressant là, pour le coup. Bon, moi, je l'ai eu complet à 2 ou 3 euros en vide-grenier. Je l'ai pris pour. C'était comme pour un autre jeu. Comme Star Wars, je pensais que ce serait un jeu pourri, en fait je suis un peu impressionné par, parce qu'en fait c'est de la qualité, on a l'impression d'avoir, alors c'est pas de la digitalisation à la Mortal Kombat, mais vu qu'il y a quand même un réalisme des mouvements, c'est à mi-chemin un peu entre du cartoon digitalisé, ça, je trouve que ça fait vraiment, c'est classieux. Bon. Là je vous passe les trucs parce que moi ça m'intéresse pas. Il y a un énormément de baratin dans ce jeu. C'est pour par rapport à l'histoire, mais bon j'imagine que ceux qui ont vu le film ils en ont rien à foutre parce qu'ils connaissent déjà l'histoire. Là il y a vraiment des pavés, que des trucs à cliquer pour faire passer le texte et moi j'avais même pas envie d'écouter ce que me disait le perroquet, ça m'a gonflé, donc je sais même pas trop ce qu'il fallait faire. Donc, oui, il y a plusieurs phases, du simili stratégie, vous voyez là il y a un tas de bateaux. Si on appuie sur B, on tire à droite ou à gauche, et à A, on tire à droite avec le canon. Ça sert pas trop, hein, c'est pas le but du jeu, mais ça permet de... Je cherche le mot de diversifier, je sais pas quoi, l'approche, pour nous faire croire qu'on est dans une histoire, voilà. Même si on a vu là au début, bon, c'est con, parce que le premier niveau, vous voyez que bon, il n'y a pas grand chose à faire.
c'est comme si on avait zappé un peu le... On sait pas trop au début, là, on veut nous en mettre plein la vue, il y a plein de petites choses, mais... Si le gameplay il est pas terrible, je vois pas trop à quoi ça sert de nous brasser du vent comme ça. Par exemple, on voit que les nuages, là, c'est pas juste un truc con, c'est quand même bien fait, le nuage. Donc, moi, j'aime bien le graphisme, les décors, le personnage, je trouve ça vraiment beau. Il y a un cernet noir et tout, et un côté, je vous dis, si presque réaliste, quoi. Même, je trouve qu'ils sont amples, quand ils foncent vers moi, ils ont un mouvement d'épaule, là, pour, ça, je trouve que c'est super bien. Les icônes comme ça ressortent bien avec du cernet noir. Tout est dans les tons pastels, mais les personnages et le cernet noir, voilà, ça permet de distinguer. Je supporte pas ce genre de musique, mais on peut voir qu'elle est déjà beaucoup plus au niveau de, du choix des sons. Ça fait moins synthétique que ce qu'il y avait dans Star Wars épisode 3, où ça faisait du poète-poète, hein, des trompettes pourries. Là, quand même, il y a un peu... Donc au niveau des fréquences basses, ça résonne mieux, ça, ça fait un son plus ample. Hein. Pour les oreilles, ça prend pas la tête, quoi. C'est beaucoup plus classe. On perd pas trop de temps quand on meurt, voilà, ça peut aller. Donc on gagne plusieurs attaques, hein, vous verrez après. Donc on gagne notamment le double saut. Et après, on va avoir une attaque glissée, ben, c'est comme Mega Man 3, hein. Je crois que ça va être de Mega Man 3. On appuie sur le bouton A, le bouton d'attaque, on appuie sur bas. Et on fait une glissade. Le problème, c'est, vous allez voir après, quand je pourrai, dès que je vais la débloquer, c'est que je n'ai pas réussi à l'utiliser comme je l'aurais escompté. Ou alors c'est parce que la maniabilité n'est pas très bonne sur une. Parce que j'utilise le Game Boy Player. Pour. Voilà, ça c'est l'attaque. Ah non, c'était d'accord, c'était deux fois avant, et c'est pour ça que ça est plus compliqué. Je me suis dit, des fois, je vais taper un ennemi, hein, je vais faire une espèce de combo, et ensuite je vais lancer l'attaque glissée. Ben, ça, je n'ai pas réussi à la faire. J'ai l'impression, en fait, c'est un peu comme le bonhomme de Star Wars, hein, de la revue de merde 627. J'ai trouvé que le bonhomme était très rigide, en fait, dès qu'on envoie une action, on a l'impression d'être bloqué, même si à l'écran vous dites, ben non, qu'est-ce qu'il nous raconte, ça a l'air, ouais, là je peux même rusher. Mais j'arrivais pas, à chaque fois que je tapais, j'avais l'impression d'être comme ankylosé, mon personnage il pouvait plus bouger. Fait que quand vous voyez que je me prends des chocs, connement, je fonce vers l'ennemi, parce qu'en fait, j'essaye de faire ce que je vous dis, de faire l'attaque... L'attaque glissée, donc j'ai pas réussi à la placer. Moi je pensais arriver vers l'ennemi avec un tacle, et dès que je me relève, paf, je lui donne un coup d'épée, comme ça je le termine. Et ben ça marche pas trop, donc j'étais déçu. Peut-être c'est moi qui gère mal, vu que j'ai aucun skill, mais quand même. Là on peut, grâce au double saut, les taper à l'abri, ça c'est sympa. Voilà, c'est possible. Donc, moi, le seul problème que j'ai avec le jeu, c'est ce maniement un peu rigide, quoi. J'ai l'impression que quand je tape, le coup part après. Sinon, je trouve le jeu super beau. Et de bonne musique, ça rend bien, quoi. Ça fait... Je trouve qu'on a un gros son, quand même. Ça, c'est vraiment dans les basses, quoi. On a vraiment une bonne présence de basses dans les sons. Bon, là, il y a une notion... Alors, il y a un petit peu notion pas RPG, quand même, mais plutôt dans les... On va pas dire dans Summon Quest... ou alors, tiens, j'avais un autre nom, mais j'ai oublié complètement. En vous citant Summon Quest, j'ai oublié de citer l'autre. Oui, mais alors, j'ai complètement perdu le nom du jeu, mais peut-être que vous saurez. Oui, Zelda, qu'est-ce que je dis? Bon, bref, un petit peu Zelda, quand on va dans les villages, Zelda 2, sur NES. On doit aller chercher des trucs, ça a mis une histoire. Et là, les ennemis, je peux vous dire que ces corbeaux, ils sont, c'est comme les méduses dans Castlevania, c'est vrai, ils sont vraiment placés encore pire. Oui, j'arrive pas à les toucher, quoi. C'est... Eux aussi, ces mecs à la con, on se dit c'est tout con, ben eux, ils sont vraiment chiants. Il faut taper plusieurs fois. Le problème, c'est que même quand ils font pas de stunt. Quand on les tape, au bout d'un moment, ils prennent les coups et puis après, ils continuent à vous taper, même s'ils prennent un choc.
Je trouve qu'ils ont vraiment la classe là, cet habit et les grosses bottes et le chapeau, ça c'est vraiment stylé là. Je trouve que c'est un jeu qui a du style, hein. Après je sais pas si par rapport au film, moi je vous dis, ça ne comptait pas sur moi pour vous parler du film. Mais en tant que jeu. Alors peut-être que si on est adepte des Shadow of the Beast, je sais que Rezard, lui, il est fort à ce jeu-là. Il y a un côté comme ça, un petit peu rigide du jeu au niveau du maniement. Alors peut-être que si je vous dis on a l'habitude de ce genre de jeu pénible, peut-être qu'on peut se débrouiller, on va trouver du plaisir. Mais moi j'ai trouvé ça vraiment compliqué, quoi. En même temps, c'était la première fois que je jouais, donc. Voilà, ils ont plusieurs attaques, vous voyez, ils peuvent nous charger. Donc c'est un jeu travaillé, quoi, quand même, c'est pas juste un truc à licence à la con. Après, je sais pas si le jeu il est long, hein. Ils disent qu'il y a 15 îles, hein, mais bon. Est-ce qu'une île c'est juste un mini stage comme on a vu là? Donc du coup ça voudrait dire que j'ai déjà fait deux stages. Là je peux pas trop vous dire, hein, c'est un petit peu la limite des reviews de merde. Moi j'essaie plutôt là de voir, en tout cas quand il y a des jeux que je connais pas, qu'est-ce qui cloche ou. En tout cas là, cette première prise en main, une prise en pied. Ben, j'ai été épaté, étonné, quoi. Je m'attendais pas à un beau jeu. Même les petites incrustations là des personnages quand ils me parlent. Regardez-moi ça, les lianes et tout, ça a vraiment de la gueule ce jeu. Bon là on voit pas parce que j'ai mis mon icône en bas à gauche, là mon HUD. Mais les têtes elles sont vraiment bien faites. C'est même encore plus beau je trouve les pixel art là. Les trucs en pixel que les trucs digitalisés d'après les images du film, je trouve ça nul. Mais ben, je trouve ça vraiment sont bien faites quoi les. Ça aurait gagné à ne pas faire mention des images du film, des photos du film. Donc là, pas trop compris. Ouais, oui, bon, ouais, y a beaucoup de blabla. Tout ça pour me dire que c'est comme dans Wind Waker, hein, Zelda. Si on va pas dans le sens du vent, bon, ben, c'est sûr qu'on va aller bon, beaucoup moins vite. Oui, ouais, y a beaucoup de blabla. Tout ça pour me dire qu'il faut appuyer sur Start pour la carte. Sans les gens, c'est bon. Peut-être que oui, c'est pour les gens qui n'ont pas de qui trouvent le jeu en loose, c'est vrai que ça peut être sympa de nous expliquer. Donc là c'est bien, on peut avoir la carte en superposition. Donc là je vais aller sur le point rouge, le premier que j'ai vu, puisque comme il y a le vent. Donc là ça suffit pas, il faut ressortir, c'est pour ça que je vais un petit peu prendre du temps. Ouais, au début je me suis dit mais on n'avance plus quoi. Parce qu'on me dit d'aller dans le sens du vent, mais vous voyez que mes voiles ne sont pas sorties, en tout cas j'ai pas l'impression. Hein. Donc c'est sûr que je peux pas prendre le vent. Donc là ça y est, je suis arrivé. Encore un beau décor. Hein. Bon là c'est les mêmes ennemis, mais bon. Bon, y a des éléments. Oui, là j'ai essayé de faire l'attaque glisser et puis après les taper, mais on l'a pas vu. C'est comme si j'avais été bloqué. Donc j'ai pris des chocs. On a une petite barre de vie. Après je sais pas si vous voyez que c'est l'épée en haut à gauche là. Je sais pas si après là, notre épée va s'allonger un petit peu comme dans Dark Souls ou dans n'importe quel jeu où notre barre de vie petit à petit. Alors, oui, regardez-moi ça là, c'est Circle Gris. Là je suis n'importe quoi, hein. Je vois après coup que j'ai mal joué, mais sur le moment c'est tellement. Là par exemple ce serpent que quand je vais repasser. Si je saute, je me le prends dans la gueule, parce que le saut on peut pas trop gérer. Et si j'avance, il va me rentrer dedans aussi. Donc c'est bien placer les ennemis, c'est vraiment compliqué. Et les ennemis, surtout les. Non, il était planqué. Et. Les arbres, ils sont bien faits. Bon, là, j'ai fait n'importe quoi. Je veux dire, si je veux le toucher, non, en fait, je peux passer, mais c'est si je veux le taper, j'arrive pas. Ouais, là aussi. Ils ont placé les ennemis là où il fallait, ça fait. Là, la difficulté est plus grande. Ouais, c'est les corbeaux là, ils sont pénibles. Après j'ai tout dit hein, pour un premier truc, on va terminer là. Ah, j'ai fait n'importe quoi. Là c'est vraiment la fête. Fête au village, là, c'est vraiment du n'importe quoi.
Mais ça fait du ça fait partie du plaisir, j'imagine, d'arriver à maîtriser un personnage rigide. Bon, sur ce, hein, je joue comme un pied. On va se quitter là. Donc je vous dis ciao Pipito pour une prochaine vidéo et à plus mes puces. Là, je vous laisse un petit peu quelques secondes de gameplay. Vous allez voir ce skill plutôt.